Mais du coup, il me manque des niveaux là. Genre, hôtel gelé, je l'ai pas fait, non? Ah si. Bah donc il me manque peut-être pas de niveau, j'ai rien dit. On va voir. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Non, je peux pas y aller. Ils disent rien, d'ailleurs. Je crois que les indigènes veulent créer une espèce d'appareil de propulsion pour fusée, pour t'aider dans ton voyage. Je vais essayer de leur donner un coup de main, mais à mon avis... Oui, ça me dit pas où est le dernier monde, en fait. Donc hôtel gelé, j'ai fait. Navire perdu, c'est celui que je viens de faire. Par là, il y a quoi? Bah voilà, usine de feu d'artifice. Aïe. Dis donc la musique. Oh, bonjour, contente de te revoir, Spyro. Cette méchante sorcière a volé les plans de la fusée du professeur et je suis en mission secrète pour les retrouver. Endel était censé me retrouver ici, mais il n'est nulle part. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ah, le niveau de Sparks du monde 2. C'est vrai, je l'ai pas fait, je crois. Comment tu le dis? Wouah! Il me fout des feintes? C'était un canon. C'est un canon en fait. Mais ils reviennent à l'infini en fait. J'ai fait celui du monde 1. Il me semble, hein. Ah, d'accord, toi je peux pas. Je suis quasiment sûr que j'ai fait celui du monde 1. Celui du monde 2, je suis pas certain. Ça me dit rien. Celui du monde 1, je suis sûr à 90% de l'avoir fait. Ah si si, je l'ai fait. Je me rappelle que c'est un petit shooter le niveau. Enfin, ils sont tous comme ça, mais disons que je me rappelle en avoir fait un, mais je me rappelle pas en avoir fait deux. À peu près. Ah, j'avais pas eu ça, tiens. Noodle, les nouilles. Ok. J'ai glissé. Ça, je peux pas le péter. Bah si, je peux le péter avec ça, je suis bête. Paf. Ok. Mais en fait, faut que je les tue tous une fois au moins, même s'ils reviennent. Parce qu'ils ont des joyaux là. Oh là là, quel emmerdement. Ça va être chiant de tous les... Ah, on peut les faire par derrière, eux.
Intéressant. Oh, mais ils sont chiants. Mais ils réapparaissent plus maintenant. Je crois que tu dois utiliser ce canon pour passer de l'autre côté. Tu n'as qu'à monter à bord. Quant à moi, je dois me vider l'esprit. Ça, tranquille. Oh putain, j'ai oublié une gemme. Comment faire? Je croyais que c'était... Enfin, que j'allais pas passer au travers comme ça en tout cas. Ça va me faire avoir. Ah bon, je peux remonter là après. Utiliser les plans pour construire sa propre fusée. Il faut qu'on la détruise. Suis-moi. Ok. Ah bah rien que ça. Ah non mais moi je vais récupérer l'œuf. Hein. Genre ils envoient des œufs en orbite quoi. Si tu vois Andel, dis-lui que je suis reparti au lac du soir pour finir de travailler sur la fusée du professeur. Là je peux pas faire le niveau du coup, j'ai pas débloqué le singe encore. De toute façon du coup je vais ressortir, on va aller déverrouiller le singe. Ça rien de se faire chier à faire le niveau en entier si je dois y retourner de toute façon. Enfin, je pourrais pas le faire en entier quoi. Bah du coup là ça doit être bon. C'est pas là. Bon. De toute façon, ça va être le boss. Je vais créer un monstre supérieur à tous les autres. Et je vais l'envoyer détruire tous les dragons, même les tout petits à peine éclos. Oui, oui. Il va les écraser, les écrabouiller, les réduire en miettes et les déchiqueter. Oui. Les massacrer, les pulvériser, les détruire, les annihiler. Laisse-moi sortir de là! Genre, tu Mais, passes pas. Ça ne les tuera pas? Aucune importance, tant que je peux récupérer leurs ailes. Quoi? Depuis le début, ce n'était que pour récupérer leurs ailes? Bien sûr, petite ignorante.
J'en ai besoin pour un sort qui me donnera la vie éternelle. Hein? Quoi? Une seconde. Un sort? Que pensais-tu que j'allais faire de tous ces dragons? Ouvrir un zoo? Si j'avais mon arme, tu parlerais sur un autre ton. Tu vois ce que je veux dire? Je croyais qu'il suffisait de les garder dans notre monde. Il n'a jamais été question de les tuer. Je n'ai pas besoin de les tuer. Mais ça les empêche d'autant se débattre. Mais quelle horreur! Comment ai-je pu croire toutes ces histoires? Stupide gamine insolente. Je m'occuperai d'elle dès que j'en aurai fini avec ce dragon. Où en étais-je? Ah oui. Oh! Ça va faire vraiment mal! Ah. Ouais, j'ai de remarquer, en fait, on parlait de Watch Punch Man tout à l'heure, hein. J'ai le t-shirt. C'est peut-être notre dernier combat, Spyro. La sorcière veut utiliser ce monstre pour annihiler toute opposition, en commençant par nous deux. Ah, qu'importe, nous n'avons pas le temps d'y penser. Un combat nous attend. Je ferai tout pour te soutenir en t'approvisionnant en projectiles combustibles. Ouais, tu vois, c'est Saitama. Merde. Oh, putain, la manette. Tu vois, c'est Saitama. Marqué One Punch. Je viens de remarquer que j'avais ce t-shirt là sur moi. Oui, hello, voilà. D'accord, on va pas faire ça. Aïe. Merde. Ah merde, c'est quand il invoque que j'avais pas vu. Sur pause, wesh, voilà. Pur hasard. Ah, il est sympa. Ouais, oh, il m'avait jamais fait sa track. En fait, c'est tant qu'il y a des crabes, c'est ça? Waouh, mais vas-y. Évidemment. Ça. Ah bah et du coup il spawn sur moi. Yes. Ça, il était pas compliqué celui-là.
Salut, Bianca. T'as apporté de quoi manger? Je meurs de faim. On n'a pas le temps, chasseur. Il faut arrêter la sorcière. Elle veut tuer tous les petits dragons. Attends une minute. Pourquoi te ferais-je confiance? Ça pourrait être un piège. Tu es dans une cage, stupide boule de poils. Comment te piéger en te faisant sortir? Je ne sais pas. Les sorcières, c'est souvent malicieux. Je n'aurais jamais imaginé qu'on ferait du mal aux dragons. Allez, on n'a pas de temps à perdre. Je l'avais dit, hein, qu'elle allait être dans notre camp. Même si je m'en souvenais plus, c'était évident de toute façon. C'était pas une méchante. Pyro, je sais que tu n'as pas confiance en moi, mais je veux t'aider à arrêter la sorcière. On peut ouvrir un portail menant à son repère, mais il faut une magie extrêmement puissante. Si tu trouves d'autres œufs de dragon, je crois que ma magie sera assez forte pour l'ouvrir. Je te retrouverai quand tu auras assez d'œufs, d'accord? Je dois en avoir assez en vrai. Non? Ou il en faut... Bah non. J'allais dire il en faut 100, mais... Salut toi. Eh bien Spiro, regarde un peu. Ouais ouais, c'est bon. Oui. Oh, je suis libre. Merci Spiro. Oh dis, tu as déjà vu un ours danser? Non. Alors c'est ton jour de chance. Regarde-moi ça. C'est un sacré danseur, non? Mais pas beaucoup d'endurance. Dommage, il me reste encore beaucoup de munitions. En attendant, j'ai appris que tu avais décidé de combattre la sorcière et ses armées. Et que tu gagnais. Et je voulais te dire, hurrah! Youpi! Ouais! Je serais bien resté, mais mon monde a été envahi par les Rinocs après ma capture. Si tu vois la sorcière, dis-lui que je lui donnerai bientôt des leçons de danse, si tu vois ce que je veux dire. Sans problème. À plus! Tu parles un peu trop, toi. Oh, il y a un voleur d'œufs. Ça va, c'est pas compliqué. Du coup, je vais essayer de voir. Ah oui, 149 là-bas. J'en ai 104. Ça me paraît étonnant que ce soit le boss. Ça, ça doit être le 100%, non? Voilà, 100. C'est ce qui me semblait. Tu as réussi, Spiro. Tu as trouvé suffisamment d'œufs de dragon pour que j'ouvre le portail. Quand ce sera fait, tu pourras affronter la sorcière dès que tu seras prêt. Mais attention, elle t'attend. Bah, autant aller se faire le boss final direct. Hein. Ouais. Ouais, allez, tiens. Comme ça, hein. Le repère de la sorcière. Ah, on se fait la sorcière tout de suite, quoi. C'est tout ce que t'as à dire, d'accord. Oh.
voit pas des trucs lui? Ah si. Ok. Le genre. Que con. Waouh, mais elle est pas facile à toucher, hein. Qui donne plein de vie. Pourquoi d'ailleurs elle tombe pas les vies là? C'est sympa là. Oh. Oh. Bah, c'est dommage, j'avais encore jamais eu ça. Je peux pas la cramer évidemment. Pas la meilleure idée. Et où le truc? Non, c'est encore une vie. J'ai mis deux coups quand même. Deux coups. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Ce truc des enfers. C'est tout? Bah, je suis presque déçu là quand même pour un boss final.
Ah si, quand même, oui. Quand même. Une deuxième phase. Ah non, même pas. Pierrot, tu viens de vaincre une sorcière, de sauver les œufs de dragon et de rendre sa liberté à l'ancien monde des dragons. Que vas-tu faire maintenant? Prendre des vacances au rivage dragon, peut-être? T'es vraiment drôle parfois, Bentley. Ah oui, voilà. Je tu me sais, disais. Il faut encore que je trouve les autres œufs de dragon. Et Chasseur semble avoir encore disparu. Alors je dois m'assurer qu'il n'a pas d'ennui. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Hein? Moi? Non, du tout. Mais si jamais je venais à le rencontrer, je te tiendrai informé tout de suite. C'est très bizarre, Spyro. J'ai modifié les portails d'Avalar pour arriver au monde des dragons, mais j'ai finalement débarqué ici. Peut-être que ma table de coordonnées est trop vieille. D'un bon millénaire. Ça expliquerait pourquoi le livre était si bon marché. Bien, maintenant que tu as de nouveau sauvé le monde, tu passeras me voir à Avalar? Bien sûr, Elora, mais je dois encore trouver les œufs qui manquent, et... Chasseur a encore disparu. Tu as dit Chasseur? Eh, hey, mais je peux aider! Je viens de le voir filer avec... Agent 9? Ce n'est pas un Rinoc dans ces buissons? Un Rinoc? Oh! Mais occupé de lui! C'est toi qui cherches le Rinoc? Viens voir mon laser! Allez, sors de ta cachette! Chasseur est sûrement entre de bonnes mains. Je veux dire, on le reverra sans doute bientôt. Promets-moi que tu viendras nous voir à Avalar, d'accord? Ouais. Allons, combien de fois t'ai-je dit de ne pas te moquer de cet élan? C'était l'idée de Billy! Promis! C'est vrai, Billy? Réfléchis bien, Billy. Spyro, contente de te voir. Salut, Sheila. Je cherche Chasseur depuis ce matin. Tu ne l'as pas vu? Désolé, Spyro. Chasseur m'a fait promettre de ne pas te dire où ils allaient. Ils? Je ne t'ai rien dit du tout. Oh non. Oh non, 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 non. Quelle tristesse, Sparks. Encore un noble guerrier victime de la maladie d'amour. Regarde ailleurs. Bon, je crois qu'on va devoir trouver les autres œufs tout seul. Allez, Spyro, fais une petite pause. Regardons le spectacle. Ça ira. Je vais pas me taper les crédits. Donc ça veut dire qu'il reste quoi, 40 œufs quasiment, plus que ça même. Oh là là, c'est loin d'être fini du coup. Je pensais que j'étais pas si loin que ça de la fin, mais. C'est pas le finir ce soir du coup. Encore toi? Ne t'inquiète pas, Spyro. Je n'ai plus besoin de ton argent. Et ne fais pas cette drôle de tête. J'ai trouvé un des œufs de dragon et je vais le vendre une fortune à Avalar. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je dois y aller, bye. Ah, c'est marrant ça. C'est infini comme ça ou... Oula, oula, oula.
qu'il me rend tout ce que je lui ai donné ou c'est infini? Ah non, d'accord, voilà. Mâche. Je n'aurais pas cru les dragons si rapides. C'est bon, j'abandonne. Je vais aller au marais effrayant et faire de la poésie en vers libre. Ouais, tu récupères tout ce que tu as filé. Là. C'était marqué 8000 raisons de lui en vouloir ou un truc comme ça, comme nom de successif. Je suppose qu'on a récupéré 8000 joyaux ou un truc comme ça. Où est-ce que ça mène ça? Oh, c'est joli. Ah merde, il y avait des vies là-bas. Un truc caché quelque part. Déjà il y a ça. Hop. Oh, t'inquiète, hein, je vais trouver. Alors, je pense. J'espère. Ah, niveau de Sparks. Plus tard, donc sûrement quand t'as fini le jeu, quoi. Yes. Attends, pour l'instant j'ai pas. Je bloque même pas pour l'instant donc. Oula, Modo. Ça c'est la fin. 149 et... Ah putain, ouais, il me reste 42 œufs quand même. Alors j'ai vu des gemmes tout là-bas. Là il y a un œuf. Attends, on va passer par là du coup. Ah, j'ai oublié ça, tiens. J'ai vu qu'il y avait des vies là-bas, mais j'ai vu des gemmes, je ne sais plus où. Bon, alors, je vais choper les vies déjà. Je les aurais pas d'ailleurs. Parce que j'ai fait le compte tourner. Là-bas et un œuf. Elle a bouffé les trois d'un coup.
gourmande. Hein. Un gourmand, du coup. C'est un mâle. Ah, je pouvais pas passer. Ah, il m'a refoutu là, du coup. Après c'est bien caché mais il y a Sparks qui spoil quoi. Ah non c'est juste que j'ai pas pris ça. Ah non d'accord. C'est pas un endroit où il y a des... Déjà, moi j'aimerais bien aller sur le château là. Du coup, non. Hein ? Peut-être, ouais, vu que c'est pas un truc à faire pour le 100% visiblement. J'aurais bien dit derrière la cascade, mais... cette cascade. J'aurais testé quand même. Non. Eh, ce chou là. Ouais, c'est le dernier point de sauvegarde, c'est pour ça. Bah, donne un autre 10, du coup. Genre vers où je dois chercher. S'il y a un truc caché, genre derrière là-bas. Pas loin du niveau de Sparks, ouais. Ce que j'étais en train de dire derrière là-bas. Ah non, merde. Bah, trop tard, je suis monté. B sur X pour lâcher un vol plané. Ouais, ou triangle. Aussi. Un triangle. Je me comprends. Y. Donc j'ai une manette Xbox.
Mais je regardais en l'air en fait, voir si je voyais quelque chose surtout. Pas loin de ce niveau. J'ai déjà allé là-dessous. Oui, je suis allé en bas, ouais. Ah, c'était ça. Oui, bah, je l'ai trouvé direct. Ça faisait pas le même bruit quand tu marchais dessus. Ouais, non, parce que j'avais le 100% du niveau, du coup... Ah non, chute, c'est un secret. Ah. Ah, parce que elle me l'indique pas du coup. Il manque un œuf. L'entrée de la map, ouais, mais vu que c'est le premier sur la liste, ça me paraît très logique. J'avais pas fait gaffe que j'avais pas tous les œufs en fait. Fait celui qui était derrière là. Partout, donc voilà. Ça étonne que je sois passé à côté, quoi. Il doit être en l'air. Enfin, en l'air. Mais tu te calmes pas. Ça étonne que je l'ai pas vu, quoi, en fait, surtout. Est-ce que je suis pas allé encore? Genre là, j'en ai pas eu. Tu vois, ça serait bien un coin pourtant. À œuf. Bon, c'est pas grave, écoute. Alors, est-ce qu'il y a un niveau de vol là-dedans? Ça a pas l'air. Alors, on va faire le niveau de lui en fait. Ça, si on en a besoin dans des niveaux. Insupportable, toi. Ah, agent 9, mon élève préféré. Content de te revoir sur mon île laboratoire.
Les Rhinocs ont malheureusement envahi toute l'île. Tu peux les arrêter avant qu'ils détruisent mes recherches ? Ah oui, donc là c'est le FPS quoi. Ouais, il s'TP. On est là. De nombreux Rhinocs attendent que je baisse ce champ de force pour nous attaquer. Il continuera d'en arriver jusqu'à ce que tu tires sur le bouton rouge à côté de la porte d'où ils proviennent. Nickel. Il y a une autre porte à l'extrémité de la plage. Et les Rhinocs continueront d'en sortir. Ok, ok. Merde. Qu'un tas de Rhinocs se cache derrière l'écran. Je vais allumer le piédestal de vision et tu leur tireras dessus quand ils attaqueront. Je te conseille d'utiliser le mode tireur d'élite. Quel état se trouve la salle des machines? Je crains que les Rhinocs ne soient pas très propres. Ça se fait hop. Ils jugent sur la propreté. Pauvres Rhinocs, ils ont rien demandé. Allez là. Comme je le pensais, la salle des machines est envahie d'oiseaux. Pour viser les oiseaux dans leur nid, utilise le mode tireur d'élite. Oula, petite vision d'horreur de l'intérieur du crâne de Sparks. Bah, il est où le dernier? Excellent travail, agent neuf. Je ne sais pas si c'est un œuf d'oiseau ou de dragon. Je peux réactiver le générateur gravitonométrique. J'espère qu'aucun oiseau n'est entré dedans.
Ok. Et eux, ils bougent pas. Le laboratoire est dégagé et ça sent déjà meilleur. Allons dehors. Je pense qu'on trouvera des Rhinocs en armure. Il te faudra une arme plus puissante si tu veux réussir à les battre. Ce distributeur devrait être très efficace contre leurs armures. Tu devrais essayer. Ok. D'accord. Je peux y arriver si tu me rends le contrôle du personnage, par contre. Merci d'avoir sauvé mon laboratoire. Je peux recommencer à réfléchir. Ok. Ouais, t'es sympa de me laisser les bombes. D'accord. J'avais pas les tous les trucs en plus. Enfin, c'était pas indiqué tous, je crois. Oui, déjà il me manque ça en fait. J'en ai loupé plein. Là-haut ? Non, je voulais pas le lancer. Ah, bon, ok. Ah non, je peux pas comme ça en fait. Tiens, mais quel enfer ! Peace.
c'est pas ce que je voulais faire. Paf. Ok. Très probablement. Alors, s'ils les mettent en l'air, ah ben voilà. Raté. Ah oui, il y a ça aussi, j'avais oublié. Merde. C'est bon ? Bien voilà.